Pessoal, bom dia. Pessoal, bom dia a todos e a todas. Estamos aqui para fazer a abertura dos trabalhos do terceiro dia da Jornada Internacional de Poesia Visual, Pesquisa e Criação, com três convidados internacionais especialíssimos: Francis Edelin, Marianne Simon Oikawa e Marcial Lengelet. Essa mesa se chama A Linguagem da Poesia Visual, né? E nós vamos discutir aqui algumas questões teóricas. A mesa, os conferencistas falarão em francês e, como nas outras ocasiões, eu faço a apresentação deles em português e depois, para as perguntas, peço que vocês podem já ir colocando questões no chat ou depois abrir o microfone para falar. Quem quiser pode fazer perguntas em qualquer língua. A gente se esforça aqui em fazer a ponte e a tradução para os conferencistas e para o público. Temos já aqui no chat pessoas da Argentina, da Venezuela, do Brasil. Vejo o Patrício, da Itália. Então, bem-vindos e bem-vindas. Quero só lembrar, né, temos uma programação grande ainda no dia, com mesas à tarde. E no final da tarde, as comunicações, e depois os conferencistas brasileiros às 4 horas. E às 7 horas, a Marianne volta com a gente aqui na sala do Zoom para lançamento da revista Écriture et Image. Então, é uma situação até especial, porque a Marianne está no Japão. Então, lá agora são 10 horas da noite, ela vai fazer a conferência dela, vai dormir e volta amanhã às 7 da manhã para fazer a apresentação dessa revista aqui para a gente, enquanto nós passaremos o dia jornalando. Então, é uma situação especial, né, de um evento internacional acontecendo simultaneamente em vários lugares. Ficamos muito felizes com isso. Lembro também que as listas de presença estão sendo controladas automaticamente pelo Zoom, então não precisam se preocupar. Aqueles que tiverem 70% de presença recebem o certificado ao final. Dando início, então, a essa mesa, o nosso primeiro convidado, Francis Edelin, infelizmente teve um problema familiar e não pôde estar conosco, que é realmente uma pena, que ele estava muito ansioso e dedicado para fazer essa comunicação, mas, em todo caso, ele nos enviou muito gentilmente a sua apresentação e que eu vou fazer a projeção e a apresentação da fala dele, né? Ele enviou o PowerPoint, há notas em francês que serão projetadas para os francófonos e, enfim, todas as pessoas que compreendem, e eu vou fazer a leitura, os comentários dele, traduzindo em português. Então, essa vai ser a nossa primeira fala. Eu, travestida de Edeline, mesmo se eu não tenho todo o charme e a competência do nosso convidado. E, em seguida, Marianne e depois Marcial. Então, começo apresentando Francis Edelin. Ele é escritor e pesquisador, tem formação científica e publicou diversos estudos sobre o simbolismo, a semiótica e a poesia em diversos veículos. Desde sua fundação, ele também é membro do grupo MUL da Bélgica e publicou notadamente Retórica Geral, Retórica da Poesia, Tratado do Signo Visual e Principia Semiótica, em busca do sentido, em 2015. A comunicação que ele vai fazer, faria, se chama Poesia Visual e Tipografia, Relações Estreitas, Mas Ambíguas. Então, eu vou ler primeiramente o resumo da fala dele e depois dou início à apresentação dos slides. O resumo, né? Os tipógrafos, assim como os poetas visuais, se interessam pelo aspecto dos signos gráficos de nossos alfabetos, mas suas perspectivas são bastante diferentes. O criador de um tipo, de uma fonte, confere ao alfabeto uma conotação escolhida, austera ou elegante ou moderna ou mais fantasiosa.
enquanto o poeta visual explora esse caractere com a finalidade de ilustrar uma proposta diferente a cada poema. É difícil decidir se o caractere que suscitou um conteúdo ou se ele foi escolhido depois para servir a esse conteúdo. Mas acontece, entretanto, que os poetas visuais também criam pseudo-fontes inteiras, como Jeremy Adler, ou, ao contrário, que os tipógrafos se lançam também na criação de poemas visuais, seja poemas puramente formalistas, como Hans-Jörg Meyer, ou seja, como poemas mais figurativos, né? Alfabetos mais figurativos, aí, como Jérôme Peignot. A modernização que está chegando. Gente, tem algum microfone aberto? Só peço para fecharem, por favor. Então, começo aqui a apresentação de Francis. Poésie visuelle et typographie, des rapports étroits mais ambigus. No meio do século XX, apareceu uma nova teoria estética proposta por Abraham Mohs e por Max Benz, a estética informacional. De acordo com essa teoria, todo enunciado, visual ou outro, veicula dois tipos de informação. A informação estética, no sentido etimológico do termo, isto é, a que toca os sentidos, ou a informação semântica. Nesse quadro teórico que nasceu a poesia concreta. O tipógrafo e o poeta visual se interessam ambos pelo aspecto visual dos caracteres gráficos, mas o tipógrafo busca alfabetos inteiros, aos quais ele demanda exprimir valores abstratos tais como modernidade, equilíbrio, fantasia, lisibilidade, legibilidade, elegância. É uma perspectiva global. O poeta visual destaca o aspecto dos caracteres particulares e os coloca em relação com diferentes realidades do mundo concreto. É uma perspectiva local. Mas não faltam casos intermediários. O primeiro deles, o destaque da informação estética. Essa é a forma mais radical de obter esse efeito, ou seja, suprimir toda a informação semântica. Os caracteres da imprensa, da tipografia, são também imagens. Não se trata, entretanto, de reativar as imagens esquecidas que estiveram na origem dos caracteres atuais, cratilismo platônico, mas de provocar nestas últimas, novas relações de significação. Primeiro caso, caracteres inteiros. Do grupo de Stuttgart, os tipogramas. Então, esse é o caso, né? Agora seguem diversas imagens. Hans-Jörg Meyer, me desculpem a pronúncia dos nomes, porque tem sido um desafio a cada mesa, tipógrafo profissional, que está na origem do emprego generalizado da fonte do tipo Futura, que foi utilizada, né, eleita pela poesia concreta. Vou deixar sempre um tempinho também para que vocês possam observar as imagens e os tipos. Gerhard Rumm, Tipocollage, de 1960. Paul Devrey, Fuga em R, composição complexa que faz aparecer simetrias e relações numéricas. Segundo caso, caracteres recortados. Tov Gabor, S-Modulo, um recorte geométrico.
né? No lado esquerdo e no lado direito, Adriano Spatola, os hieroglifos, o recorte com tesoura. Terceiro caso, caracteres deformados. Exemplo de Clemente Fadin, sinografia. A deformação da letra A. E nessa passagem encontramos o Triskel Breton. Quarta categoria, caracteres inventados. O alfabeto é fortemente redundante. Muito poucos elementos são necessários para que uma letra seja reconhecível. A linha da escrita não é senão a evocação sensível e aproximativa de uma equação virtual. Exemplo de Jeremy Adler, Selected Letters, 1973. Observem a utilização das superfícies e a influência de um caractere sobre o seguinte. Ernesto Manuel de Melo Castro, Outdoor, Paz, 1982. Através da água que corre nesta paisagem rural pacífica, a palavra paz permanece reconhecível, apesar de o número de elementos pertinentes ter sido fortemente reduzido. Segundo tipo de exploração, né? Os caracteres da imprensa a serviço da informação semântica. Que ele propõe uma pequena experiência. Esta página é feita de letras T em uma fonte do tipo Courier, com serifa. Isso constitui uma simples textura. Observe atentivamente o centro da imagem. O simples fato de ter escrito a palavra forest no centro da figura a transformou instantaneamente todos os T's em árvores. Esse mecanismo intersemiótico, pelo qual um caractere pode significar tanto no código imagem quanto no código texto, é a base da poesia visual. Heinz Gapmeier, Zeit. A palavra é decomposta em seus elementos retilíneos, dispostos um após o outro. Não apenas temos acesso ao contexto, ao conceito semântico de tempo, mas experimentamos o tempo no processo mesmo da leitura. Mary Ellen Solt, Zinnia. Este nome de flor é unicamente composto de traços retilíneos. As pétalas desta flor têm a forma de pequenas linguetas e são dispostas em círculos concêntricos. Paul Devrez, Eros. Todas essas palavras dizem respeito à lenda do Minotauro. Elas são compostas na máquina de escrever, exceto sua terminação comum, os, escrita à mão, de modo a sugerir um labirinto. Tim Ulrichs,
dois poemas, né? Zen e o Er, par. Um casamento, né? As três letras, no caso do exemplo 2 aqui, do Er, se reúnem tão fortemente que são pressupostos, que se pressupõe indicar os membros de um casal. Legal, né? Terceiro tipo, os virtuosos da letra 22, a arte da máquina de escrever, os typewriters. A impressão realizada por esta máquina, bastante popular, é feita com espaçamentos constantes, do que os poetas visuais se aproveitaram. Pierre Garnier, Cinema. Graças à diferença de calibragem de tinta dos caracteres, o autor obtém um efeito ótico, lembrando o cinema em preto e branco. Não sei se é possível ver na imagem, mas o poema tem metade regular e metade negrito, né? E faz essa oscilação, esse efeito visual que ele faz alusão. Outro exemplo de Tim Urix. O autor explora a cor, uma dimensão não pertinente do alfabeto. Além disso, ele se aproveita do fato de que em alemão esses três nomes de cor têm todos 4 letras. Abstract, de Dom Silvestre Huedar. Esse termo designa composições abstratas obtidas com os caracteres não alfabéticos da letra 22. E qual é o futuro desse tipo de poesia? Ele pode evoluir? Ela pode evoluir? Declaração profética de um dos fundadores da poesia concreta, Eugen Göringer. Seria lamentável que a poesia concreta se tornasse um simples gênero falacioso, um jogo que se apoia sobre fantasias tipográficas. E a profecia, infelizmente, se cumpriu. Os publicitários se apoderaram das técnicas e as mercantilizaram e obtiveram sucessos diversos. Fim. Bom, gente, muito obrigada. Essa foi, então, a contribuição do Francis, que muito gentilmente, apesar de não poder estar presente aqui conosco, enviou a sua apresentação e espero ter feito minimamente jus a todo o trabalho dele, que é realmente incrível, de pesquisa e teorização em cima de múltiplas possibilidades, né, exploradas pelos poetas dos anos 50 para cá, sobretudo todos que estão em questão aqui nessa jornada. Então, agradeço em nome dele a audiência de vocês. Se quiserem, depois podem enviar perguntas, podem enviar para o e-mail da jornada também, que a gente transmite para ele o desenvolvimento da conversa. Então, muito obrigada, Francis. Eu passo agora, então, a chamar Marianne Simon Oikawa. Vou fazer uma breve apresentação. A Marianne é mestre de conferências, habilitada a dirigir as pesquisas na Universidade de Tóquio, pesquisadora associada do Instituto Francês de Pesquisa sobre o Japão e da Universidade Paris 3. Ela trabalha sobre as relações entre texto e imagem na França e no Japão. Suas pesquisas
dizem respeito mais particularmente à poesia visual e à noção de ideograma na poesia francesa. Então, bom, aproveitem. Marianne, bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci. Et je vous remercie beaucoup d'être ici avec nous. C'est un plaisir et de vous écouter. C'est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation et pour votre présentation. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que l'écran est bien partagé? C'est bon? On peut y aller? Oui, oui, ça marche. Très bien. Donc, je commence. Donc, le titre exact de mon intervention est « Métamorphose de l'écriture dans la poésie visuelle japonaise depuis les années 60 ». Alors, plutôt que de me livrer à un panorama en forme de kaléidoscope, j'ai pensé que la poésie visuelle japonaise étant encore assez mal connue et parfois un petit peu difficile à déchiffrer pour qui ne connaît pas la langue, il serait peut-être utile de tenter d'en indiquer quelques tendances majeures, et j'ai choisi de le faire à partir d'un point de vue particulier qui est le traitement de l'écriture. Alors, dans un article sur l'histoire de la poésie visuelle japonaise, Tatehata Akira indique deux dates essentielles, 1958 et 1963. 1958, c'est la date de la publication de « Espace monotone, Tantyo na Kūkan », un poème de Kitasono Katsue. Le blanc dans le jaune, dans le jaune, dans le noir, dans le blanc, etc. C'est ce que vous avez ici. La répétition des mots et des mêmes caractères confère à l'ensemble une forme plastique remarquable. Mais Kitasono s'éloigna peu à peu de cette poésie qui s'appuie sur la seule force des caractères d'écriture pour s'intéresser de plus en plus à ce qu'il appela des plastic poems, qui sont, pour aller vite, des photographies d'objets comportant des signes d'écriture. Les poètes de sa mouvance, comme Shimizu Toshihiko ou Takahashi Shōhachirō, produisirent eux aussi, par la suite, des œuvres faisant grand usage de la photographie, du collage, mais aussi du pliage. Et vous pouvez le voir à partir avec ces œuvres de Takahashi Shōhachirō. À l'opposé de ces expériences, Niikuni Seiichi incarne au contraire le refus de l'hybridation et la fidélité absolue. Chez lui, les caractères d'écriture eux-mêmes forment images sans recours à aucun appui extérieur. Alors vous voyez à l'écran Kodomo no Shiro, le château des enfants, un des poèmes de son premier recueil, Zero On, en 1963, c'est la deuxième date importante de la poésie visuelle japonaise. Niikuni a rassemblé des caractères pouvant se référer à l'univers enfantin, comme le chien, l'oiseau, la maman, le papa, etc. Et ces caractères de tailles différentes sont dispersés dans l'espace, ce qui oblige le regard à un parcours multidirectionnel de la page, rompant avec la linéarité habituelle de la lecture. Niikuni meurt en 1977, Kitasono en 1978, et dès lors, les frontières entre les deux tendances qu'il représentait chacun se brouillent de plus en plus. La calligraphie, le graphic design, le dessin ou encore la couleur se développent. Mais plusieurs procédés concernant directement le traitement de l'écriture se retrouvent régulièrement dans les œuvres créées depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est par l'identification de ces procédés que je vais commencer ma présentation. Je partirai de Niikuni Seiichi parce que c'est chez lui que les jeux sur l'écriture apparaissent sous la forme la plus radicale. Les poèmes de Niikuni prennent souvent la forme du bloc. Cette forme est très courante dans la poésie visuelle parce qu'elle favorise la répétition et les jeux de combinatoire et insiste aussi sur l'autonomie du mot séparé de toute phrase. Mais dans le cas du Japon, la disposition en bloc est dotée d'une efficacité particulière dans la mesure où le rectangle final fait écho aux rectangles particuliers que sont les carrés dans lesquels sont contenus chacun des caractères. Alors je rappelle que les caractères utilisés dans l'écriture japonaise, qu'ils soient écrits à la main ou typographiés,
doivent tous entrer dans un carré et c'est ce que vous voyez à l'écran. À gauche, vous avez une feuille destinée aux élèves de la première année d'école primaire qui apprennent à tracer le caractère pluie. Et à droite, vous avez une feuille de ce qu'on appelle les ginkgo-yoshi, une feuille pour les manuscrits, composée de 2 × 10 colonnes de 20 carrés chacun, soit 400 carrés en tout. Ce poème de gauche, celui que vous avez à gauche, est sans doute le plus célèbre de Mikuni, et peut-être même de toute la poésie visuelle japonaise. Il est intitulé « Ame », qui signifie « pluie ». Alors, vous pouvez y observer le premier procédé sur lequel je veux attirer votre attention, le jeu avec des caractères d'origine pictographique. Le japonais utilise simultanément 3 types de caractères, dont les sinogrammes, caractères chinois, et certains de ces sinogrammes sont justement des pictogrammes, c'est-à-dire des signes issus. Ces pictogrammes sont particulièrement présents dans la poésie visuelle japonaise en raison de leur capacité à faire immédiatement image. Le caractère pluie, d'ailleurs, est constitué de 2 parties, une partie supérieure qui désigne le ciel, tandis que les 4 points à l'intérieur représentent les gouttes de pluie elles-mêmes. Alors, il serait tentant, bien sûr, de voir dans le poème de Mikuni un simple retour de l'écriture à l'image. Les points et les traits disposés sur des gouttes de pluie en train de tomber. Mais dans le commentaire qu'il fait de ce poème, Fujitomi Yasuo met en garde contre une interprétation d'ordre exclusivement mimétique. Il souligne d'abord que le caractère pluie n'est pas placé en haut, et il ajoute que les gouttes elles-mêmes sont répétées mécaniquement dans la configuration qu'elles occupent dans le caractère et non pas dans la réalité. Ce que le poème donne à voir, ce n'est donc pas tellement un paysage de pluie, c'est bien plutôt une mise en scène du caractère d'écriture lui-même dont les composantes se trouvent ainsi exhibées. Il en va de même dans le poème de droite, Kawa Matawa Shu, c'est-à-dire fleuve ou banc de sable. Ici aussi, Mikuni a choisi des caractères d'origine pictographique. Les 3 traits du caractère. Les 3 traits du caractère fleuve représentent les 2 berges et le courant. Puisque les points supplémentaires que vous avez dans le caractère banc de sable. Dans bord de sable, il y a 3 points, petits points supplémentaires qui figurent le sable qui s'est déposé dans l'eau. Mais on est frappé, bien sûr, par la mise en scène du poème qui répartit les caractères en 2 blocs distincts, de part et d'autre d'une ligne diagonale, d'une manière toute intellectuelle et peu réaliste. Dans position, Ichi, plus que la forme des caractères, c'est leur mise en page qui attire l'attention. C'est le deuxième procédé sur lequel je voudrais attirer votre attention, les effets de mise en page. Le poème utilise 2 caractères, tatami, que vous avez ici, et ro, qui signifie le foyer. Leur disposition évoque une pièce à thé avec ses grands tatamis rectangulaires, son petit tatami carré à l'emplacement du foyer, le foyer lui-même, ce carré blanc, et la braise qui y couvre. Bien sûr, le caractère tatami lui-même possède un grand nombre de lignes horizontales, mais ce sont surtout les blancs de la mise en page qui séparent les blocs de caractères qui donnent à ce poème sa visibilité spectaculaire. Et vous voyez que ces blancs, en superposant simplement une bande blanche au-dessus des caractères, et de sorte que ici, certains caractères sont coupés, ils sont tronqués, n'est-ce pas? Une partie des caractères a disparu. Un autre procédé très important, la clé des caractères. La clé est un élément présent dans les caractères qui partagent un même thème. Tous les mots de poisson contiennent la clé dite du poisson. Tous les noms de végétaux contiennent la clé dite de l'arbre. Et tous les caractères associés au liquide possèdent la clé de l'eau que vous voyez à gauche, ici, n'est-ce pas, et qui elle-même figure 3 gouttes d'eau. Et vous voyez à droite un ensemble de caractères contenant la clé de l'eau. Par exemple, vous avez le mot étang,
J'arrive pas à le montrer. Voilà. Le mot étang, ou le mot vague, ou le mot huile, ou le mot lavé, ou le mot larme, etc. Alors ici, vous avez un poème de Nikuni qui joue justement avec cette clé de l'eau. Il est intitulé Sabishi, qui signifie solitude, ou plutôt tristesse, puisque Sabishi dessine surtout le sentiment de solitude. Le caractère Sabishi se compose de la clé de l'eau et d'un élément qui, lorsqu'il est utilisé tout seul, signifie bosquet et qui est lui-même composé d'un caractère pictographique. Les arbres côte à côte deviennent un bosquet et quand on ajoute la clé de l'eau, ça devient la tristesse. Alors, comment un bosquet et de l'eau ont-ils pu en venir à désigner la tristesse? Il faut savoir qu'à l'origine, le caractère bosquet désignait plutôt une succession, c'est-à-dire des choses ou des phénomènes qui se suivent comme des arbres dans un bosquet. La clé de l'eau doit être mise en relation avec les larmes. La solitude ou la tristesse, c'est une succession de choses qui provoquent les larmes. Dans le poème de Nikuni, le caractère bosquet a été répété un grand nombre de fois à l'intérieur du rectangle qui l'occupe entièrement. Mais ici, vous voyez, à gauche, ici, le premier caractère de la 14e ligne, la clé de l'eau, c'est ce que vous avez ici. C'est le caractère solitude, tristesse. La personne qui se sent seule pleure de ne pas réussir à se fondre dans la masse, dans le moule, ne pas pouvoir entrer dans les cadres, si on peut dire. Quelque chose dépasse qui la conduit à se sentir différente. Et dans ce poème, Nikuni attire l'attention du lecteur à la fois sur la structure étrange de ce caractère et sur la signification de la clé de l'eau. Alors, je vous montre ici deux poèmes de Takahashi Shorachiro qui reposent eux aussi sur un jeu avec la clé des caractères. À gauche, le poème intitulé « Le pays de l'eau » est réalisé entièrement avec la clé de l'eau, sans aucun autre élément. Et à droite, le caractère de la clé de la parole permet de réaliser le poème qui a pour titre qui. Alors, cette clé, clé dite de la parole entre dans la composition de nombreux caractères, le caractère qui, par exemple, mais aussi d'autres caractères. Et le choix de tracer ici une ligne verticale est intéressant. Il ne s'agit pas simplement d'un trait dessiné. Dans la mesure où la clé de la parole se situe toujours à gauche des caractères qui la possèdent, et où l'écriture japonaise s'écrit traditionnellement de haut en bas, ce trait vertical renvoie à une sorte de liste imaginaire de tous les éléments susceptibles de se trouver à droite de la clé. Voici un poème de Tanaka. Sont regroupés le caractère qui signifie soleil ou jour au milieu du poème, ainsi que quatre autres sinogrammes dans lesquels ce caractère soleil intervient à titre de clé. Clé qui se trouve tantôt dans la partie inférieure du caractère, comme ici dans ce caractère qui signifie le printemps, et qu'on a là, ou bien la clé se trouve à gauche du caractère, comme dans celui-ci, qui se signifie l'aube, Akatsuki, ou bien le soleil se trouve dans la partie supérieure du caractère, ce caractère signifie lever de soleil, ou encore il se trouve à droite, comme dans cet autre caractère qui signifie lever de soleil. Pour terminer, je mentionnerai un dernier procédé récurrent, même s'il y en a encore beaucoup d'autres, la transformation d'un caractère en un autre qui est graphiquement proche. À gauche, vous voyez un poème de Nikuni, Hansen, qui signifie contre la guerre. Le caractère de gauche, qui signifie contre, se décompose progressivement pour s'en transformer en un autre caractère qui signifie à nouveau. Si l'opposition faiblit, si elle se décompose, la guerre recommence, nous dit Nikuni. Au centre, vous avez un poème de Yoshisawa Shoji intitulé « Décomposition ». Le caractère du haut qui signifie se séparer, se défait progressivement, reste ici le caractère qui signifie sabre, puis lame, puis force. Et à droite, chez Tanabu Hiroshi, le caractère sur au-dessus, qui se trouve en bas, se transforme
pour devenir le caractère au-dessous qui se trouve en haut. Alors, naturellement, de nombreux poèmes visuels ne sont pas aussi sobres que ceux que je viens de vous montrer. Les poèmes de Yamanaka Ryojiro, par exemple, utilisent souvent la calligraphie. Alors, la calligraphie est une pratique foncièrement liée à la personne qui trace les caractères. Les traits sont l'expression de son énergie, de son équilibre vital, de son corps. En tant que tel, la calligraphie n'a pas sa place dans la pensée de Mikuni Seichi. Mais l'originalité de Yamanaka est de combiner caractères calligraphiés et typographiés. Alors, vous avez ici le caractère qui signifie tempête, arashi, et vous voyez que ce caractère occupe la plus grande partie de la composition. La calligraphie se caractérise par son expressivité. Les traits donnent l'impression d'avoir été tracés avec violence et le caractère dans son ensemble se trouve lui-même disloqué comme par un enchaînement des éléments naturels. Le blanc à l'intérieur des traits, qui est dû à un manque d'eau dans la réserve du pinceau, suggère la rapidité du trait. Le poème joue aussi sur la répétition, qui est caractéristique de la poésie visuelle mais étrangère à la calligraphie, puisque les caractères tempête ou pluie, vous voyez ici, sont typographiés et répétés plusieurs fois dans tous les sens dans le poème. Dans Tonnerre, Kaminari, le contraste entre le gonflement des traits et l'effilement des extrémités figure peut-être le bruit assourdissant puis l'effacement progressif d'un grondement. Les quatre points, que vous voyez ici, qui sont situés dans la partie inférieure du caractère et qui sont censés représentent particulièrement intéressant parce qu'il renvoie, je crois, au tambour qui est l'accessoire traditionnel du dieu du tonnerre qui tape dessus et qui les fait tourner lorsqu'ils se déchaînent. Alors, vous voyez à droite le dieu du tonnerre avec ses tambours dans une peinture sur paravent de Tawarayasu Otatsu qui est extrêmement connue. Et en outre, Yamanaka a disposé à l'extérieur de quatre extrémités de la figure, des caractères ici, qui ne sont pas des sinogrammes, qui sont des signes syllabiques propres au Japon, on les appelle les katakana, et ils forment ici bien sûr un contraste évident avec le sinogramme central, non seulement par leur nature phonétique, mais aussi en raison de leur apparence visuelle. Yamanaki a choisi pour ces katakana une typographie extrêmement dépouillée, à l'opposé de l'expressivité de sa calligraphie. On note avec intérêt que ces caractères doivent être déchiffrés selon un mouvement giratoire, comme ça, de gauche à droite, pour être lu « Kaminari », qui signifie justement le tonnerre. Alors, si le recours à la calligraphie est rare dans la poésie visuelle, celui au graphic design est beaucoup plus fréquent, sans doute parce qu'un certain nombre de poètes sont eux-mêmes issus de ce monde. C'est le cas de Yoshizawa Shoji, qui est lui-même graphiste de métier. Et vous voyez ici un poème directement inspiré du paravent que je viens de vous montrer. Yoshizawa a copié les deux personnages du paravent, le dieu du vent à droite, le dieu du tonnerre à gauche, et il a ajouté au milieu des katakana, qui se lisent ke 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 gi 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 ga 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 bu 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 ko 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 bu 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 po po po. Ça évoque bien sûr le bruit du tonnerre, mais ces katakana sont aussi disposés de manière à figurer un tourbillon qui renvoie peut-être aux nuages dans la tempête. Yoshizawa déforme souvent les caractères, comme vous le voyez dans ses poèmes, où le caractère vent, que vous voyez ici, voilà, le vent est orienté dans diverses directions et déformé. Le trait de gauche est lui-même très allongé. Alors, dans le poème de gauche, le pont intitulé « Le pont de vent », le caractère « vent » est renversé, étiré, de manière à évoquer un pont très arqué sur lequel quelqu'un marche, comme le suggère le caractère « marcher » qui se trouve ici. Le caractère « voile » est répété quatre fers des bateaux qui sont déjà passés ou en train de passer sous le pont. Dans le poème central, le vent circule au milieu d'un temple. Quant au poème de droite,
le vent est associé à la marée. Vous ne voyez peut-être pas très bien, mais ici, vous avez le caractère marée. Et les éléments constitutifs du caractère marée sont dispersés dans le poème. Autre déformation, celle de l'eau, cette fois. Les trois traits du caractère eau, que vous devinez peut-être, de cette façon-là, les trois traits, sont brouillés comme s'ils étaient eux-mêmes trempés dans de l'eau. On voit l'eau ici, on la voit ici, on la voit ici, on la voit ici encore. Kajino Kyuyo va plus loin encore que Yoshizawa dans l'exploration graphique des signes d'écriture. Il stylise la forme de certains caractères qu'il réduit à leur tracé minimal, faisant grand usage des figures de base de la géométrie, comme le carré ou le cercle. Dans cette variation, sur le mot kokoro, qui signifie cœur, les deux premières compositions sont réalisées à l'aide du mot écrit en katakana. Vous voyez ici, kokoro. Dans le premier poème, l'effet est obtenu par l'épaississement extrême des traits, kokoro. Dans le deuxième poème, par au contraire, l'amincissement. Le troisième poème, ici en bas, géométrise à l'extrême les traits du sinogramme. C'est cette graphie de kokoro qui est stylisée de manière à rendre les traits anguleux, alors que ici les traits sont devenus des arcs de cercle. Le cinquième poème ici réduit les caractères à des blocs carrés et rectangulaires noirs de longueur et d'épaisseur inégales, tandis que dans le dernier poème, les caractères sont déformés et mis en page de manière à unir les deux traits centraux dans la forme stylisée d'un cœur. Chez Yamanaka, les frontières entre écriture et figure se déplacent, mais sans jamais transformer les signes écrits en simples dessins, les traits restent toujours repérables, même s'il y faut pour cela un patient exercice du regard. On mesure bien, je crois, la réussite de ce poème intitulé « Rivière ou banc de sable », hommage évident au poème de Nikuni que je vous ai montré tout à l'heure. Kajino joue ici d'une part sur les caractères petits et fleuves, qui sont tous les deux constitués à l'aide de trois caractères, à l'aide de trois caractères verticaux. Donc, la souris. Court, long, court pour le caractère petit, long, court, long pour le fleuve. Et d'autre part, le caractère banc, qui est constitué de six traits, court, long, court, long, court, long. L'édition peut se lire indifféremment petit fleuve, c'est-à-dire rivière, ou bien banc de sable, dans une délicieuse indécision. Dans la poésie visuelle japonaise des années 60, la typographie est un dogme, d'où le caractère révolutionnaire ou du moins non standard des poèmes qui y renoncent. Alors, j'ai montré tout à l'heure des poèmes de Yamanaka utilisant la calligraphie. Voici maintenant un poème de Fujitomi Yasuo utilisant dans Bijinga, portrait de belle femme, le dessin remplace un sinogramme. Le mot Bijin, qui signifie belle femme, est constitué de deux caractères qui signifient beauté et l'autre qui signifie être humain. Et le caractère beauté lui-même est constitué de deux éléments, l'élément supérieur qui signifie mouton et l'élément inférieur qui signifie grand. Un grand mouton, tel était en effet l'idéal de la beauté pour ceux qui forgèrent le caractère. La conscience contemporaine a tout à fait oublié cette origine zoologique, mais le poète, lui, s'en souvient dans ce portrait de femme où le nez et la bouche se confondent en un museau allongé. Donc ça, c'est bi. Et le caractère jin, être humain, tout en bas, figure les escarpins. Alors ce poème est très différent, bien sûr, de ceux de Nikuni, et pourtant, il propose une réflexion tout aussi intéressante sur l'étymologie des caractères. Les poèmes que je vous ai présentés jusqu'ici étaient tous en noir et blanc, mais bien sûr, la couleur aussi a fait son apparition depuis les années 60. Voilà. Tanabu Hiroshi est peintre.
Il expose dans des salons de peinture des œuvres de grande dimension comme celles que vous avez à gauche. Certains de ses poèmes sont très figuratifs, comme celui-ci au milieu, qui prend pour sujet la neige qui tombe dans la nuit. Les petits ronds blancs sont figures des flocons de neige et la partie inférieure donne à voir la neige déjà tombée. Au milieu de ces motifs picturaux, des mots écrits en caractères syllabiques et imprimés en blanc ont été disposés qui se lisent yuki, neige, furu, tombé, tsumoru, s'entasser, shin, shin, qui est le bruit de la neige qui tombe. Alors les caractères ici appartiennent à un autre syllabaire que celui que nous avons vu tout à l'heure. Il s'appelle les hiragana, aux formes beaucoup plus arrondies. On mesure évidemment la différence avec le poème « Pluie » de Niikuni. Les deux poèmes font image, mais de manière bien différente. Niikuni a choisi un sinogramme d'origine pictographique qui fait donc lui-même image. Tanabu choisit, lui, des caractères syllabiques qu'il écrit en blanc au milieu d'un paysage de neige. Pour le dire autrement, chez Niikuni, l'image est inhérente au caractère d'écriture choisi. Chez Tanabu, elle dépend largement d'éléments extérieurs, comme la couleur. Par exemple, à droite, dans le poème de droite, le mot « shin shin » est écrit de haut en bas, en hiragana, dans des couleurs froides qui vont du bleu au rose, et les caractères semblent descendre, comme des flocons de neige. Les poèmes de Yarita Misishi sont eux aussi très colorés. Mais ce qui m'intéresse surtout est l'utilisation qui y est faite des lettres alphabétiques. Au cours de ses études d'anglais, Yarita Misako a découvert l'œuvre du poète américain Cummings et en traduisant certains de ses poèmes, elle s'est aperçue que le pronom personnel de la première personne du singulier, I, y occupait une place essentielle et elle a eu envie de le reprendre à son propre compte. Donc on trouve très souvent dans ses poèmes qui sont volontiers composés d'un seul mot, un I qui est isolé des autres lettres et qui signe pour ainsi dire la présence d'un moi, comme dans voice ou I'm in ou time. Alors, dans les cultures alphabétiques, la situation est simple. Écrire se fait avec des lettres alphabétiques. Au Japon, au contraire, le poète a à sa disposition trois séries de signes simultanément. D'une part, des sinogrammes. D'autre part, un ensemble de caractères syllabiques appelé katakana. Et enfin, un autre ensemble de caractères syllabiques appelé hiragana, qui note les mêmes sons, mais avec des formes graphiques différentes. Depuis les années 60, les lettres alphabétiques elles-mêmes sont devenues de plus en plus présentes dans la poésie visuelle japonaise. Les compétences accrues des poètes en langue, les échanges avec les poètes étrangers n'y sont pas pour rien. Je rappelle que Niikuni lui-même utilise très peu l'alphabet et par exemple dans les poèmes franco-japonais composés avec Pierre Garnier, l'alphabet n'est jamais utilisé que par Pierre Garnier lui-même. Vous voyez à gauche la maquette finale d'un des petits poèmes mathématiques simplistes et Garnier a envoyé à Niikuni pianissimo. Niikuni a ajouté kiwamete yoaku, qui signifie très faiblement pianissimo. Niikuni a tapé son texte en hiragana sur une feuille de cellophane rose qui a été découpée, puis ensuite attachée à la feuille de papier avec des petits morceaux de scotch qui aujourd'hui ont très mal vieilli. Ensuite, l'ensemble a été photocopié. Et vous avez à droite la version publiée dans la revue de Niikuni qui s'appelle Asa en 1971. Yamanaka, lui, utilise lui-même tous les signes à sa disposition. Vous avez à gauche un œil tracé au pinceau à l'intérieur duquel se trouve le caractère sinogramme œil qui est d'origine pictographique. En haut, au-dessus, vous avez le hiragana et le œil en japonais se dit « me ». Et en haut, vous avez le hiragana « me » et en bas, le katne. Dans le poème du centre, vous voyez des sinogrammes qui signifient blanc et noir. Ça, c'est blanc, ça, c'est noir. Et des mots en français, non, et en anglais, apartheid, qui expriment l'opposition du poète à la discrimination raciale. Dans le poème de droite, Hansen contre la guerre, qui est évidemment un hommage à Niikuni,
Le mot Hansen est écrit en sinogramme, mais vous avez les lettres du mot anti-war, A-N-T-I-W-A-R, sont dispersées à l'intérieur du sinogramme. Tanabe Shin, pour sa part, utilise aussi bien le japonais que le français. Nusumareta kotoba est la traduction exacte de parole volée. Izumi Noboru utilise aussi bien le français et l'anglais. Ici, vous avez du français. Yalita Misako utilise aussi bien l'anglais, tolérance, que le japonais, lettres alphabétiques et les caractères, les sinogrammes. J'attire votre attention ici, sur cette partie. Vous voyez le « mi » de « me too » qui se trouve intégré à un sinogramme qui signifie « fin ». Vous avez le caractère chinois avec à l'intérieur des signes alphabétiques. Alors, un des usages qui me paraissent les plus intéressants de l'écriture alphabétique et leur tentative parfois de traiter les lettres comme des images, ce qui les rapproche de caractères typographiques. Dans le poème de gauche, intitulé « Échelle de la lune », Yoshizawa Shoji a ajouté des traits horizontaux au mot « lune ». Vous avez ici le mot « lune », n'est-ce pas ? Et il a ajouté des traits horizontaux pour faire figurer une échelle. Échelle qui monte jusqu'à la lune, une lune toute pleine, et qui est figurée, elle, par un des O du mot « moon ». Le sinogramme « lune », ici, est d'origine pictographique. Il est issu d'un dessin représentant un croissant de lune. La lettre O, elle, n'a pas de lien avec la lune, mais Yoshizawa lui en invente un. L'alphabet devient image du monde. Dans le poème de droite, « magicien », Fujitomi Yasuo représente un personnage en train de faire rouler sur ses bras les lettres du mot « rouler » lui-même. Et la lettre O, plus grosse que les autres, figure elle-même une boule. Alors, les quelques exemples que je viens de présenter ne rendent pas compte, évidemment, de l'ensemble de la poésie visuelle japonaise depuis les années 60. Mais je voudrais simplement, pour finir, souligner trois points. Le premier est qu'au Japon, la poésie visuelle s'appuie très souvent sur une réflexion concernant l'étymologie des caractères, qu'il s'agisse de jouer avec une origine pictographique ou avec une clé. C'est évidemment là une spécificité de la poésie visuelle japonaise, pratique dans lesquelles les mots ont un sens, mais pas les caractères d'écriture eux-mêmes. Le deuxième point est que depuis les années 60, les frontières entre la poésie et les arts visuels sont devenues extrêmement poreuses. L'idée que la poésie visuelle ne doit reposer que sur la seule force des caractères d'écriture et être imprimée en noir et blanc, évidemment, n'est plus un dogme. Les poètes circulent avec aisance sur un large spectre qui va du caractère d'écriture au dessin. Quant à la couleur, à la photographie et même à la performance, dont je n'ai pas parlé du tout aujourd'hui, elles sont employées chaque fois que nécessaire. Reste que, et c'est le troisième point, cette poésie n'a jamais renoncé à la typographie. Que les poèmes soient tapés à la machine ou à l'aide de traitements de texte, les caractères imprimés restent aujourd'hui largement majoritaires et la calligraphie ou l'écriture manuscrite très secondaire. Mais à la typographie, tout est possible et je vous laisse pour finir méditer sur ce poème de Yoshizawa Shoji intitulé « Rencontre ». Et je vous remercie de votre attention. J'arrête le partage d'écran. Ouh là là, merci énormément Marianne pour cette voyage à travers le Japon parmi l'écriture. C'était totalement impactant. Je vois des manifestations ici au chat. C'est très, très, très belle et aussi, en plus de nous faire réfléchir et connaître, découvrir tout un système d'écriture, aussi nous fait bien aux yeux. De très, très belles images et merci beaucoup.
Je vois qu'un commentaire a dit que les poèmes de Yoshizawa étaient bien. C'est aussi un de mes préférés, j'avoue. Personnellement, j'aime beaucoup Yoshizawa. Totalement impressionnant. Merci beaucoup. Merci. Tout émerveilleux, émerveillant. J'espère que toutes les gens sont. Merci. Super. Bon, merci beaucoup. On discutera après. Et là, maintenant, j'invite aussi pour encore un voyage à travers l'espace. L'espace graphique et de l'écriture, le professeur Martial Langelet, docteur de l'Université. Non, je scoop, j'ai une portugaise encore. Muito obrigada, Mariane. Quero convidar agora Martial Langelet, doutor na Universidade de Paris 3, Sorbonne Nouvelle, mestre de conferências da Universidade da Picardia. É membro associado da Unidade Mista de Pesquisa Tallinn Paris 3, do CNRS, e pesquisador no domínio no âmbito da poesia concreta e espacial, notadamente especialista na obra de Pierre Garnier. Seus trabalhos são, de modo geral, consagrados ao estudo topológico dos espaços de representação e se esforçam para definir uma teoria geral da simetria dos textos poéticos. Marcial vai fazer uma conferência intitulada Do Verso ao Espaço, o Exemplo de Pierre Garnier. Garnier, que já ouvimos na fala de segunda-feira do Vinhores, né, que fez aqueles livros junto com Nikuni, que Mariane acaba de apresentar. Então, é isso. Boa conferência a todos. Marcial, bonjour. Bonjour, Juliana. Merci beaucoup de votre présence ici aussi. Nous sommes très heureux. Et voilà, c'est à vous. Merci, Juliana. Merci, Juliana, pour ton invitation. Et merci aux organisatrices et organisateurs, notamment donc, de ce grand colloque. Je félicite également donc, les deux communicants qui m'ont précédé, Francis et Marianne, notamment, pour aussi une information très riche et très bien, comment dire, justifiée et expliquée. Alors, je vais essayer de parler de Pierre Garnier à travers le titre du vers « À l'espace, l'exemple de Pierre Garnier ». Alors, pourquoi tout d'abord aborder un auteur et non un mouvement? C'est une question qu'on peut se poser. Alors, peut-être parce que on ne peut connaître l'histoire d'un mouvement réellement qu'à travers l'aventure d'un seul, en l'occurrence ici Pierre Garnier. Et bien sûr, ce n'est pas oublié ni Ise Garnier, son épouse, ni même le couple poète, notamment, qui ont travaillé ensemble. Donc, deux questions. Quels sont les éléments contenus dans la première œuvre de Pierre Garnier qui serait à l'origine du passage de la poésie dite traditionnelle ou linéaire à la poésie dite spatiale? Ça, c'est la première question, corollaire. En quoi la poésie spatiale serait la mémoire de l'œuvre antérieure, c'est-à-dire en fait de la poésie linéaire, une forme nouvelle poétique, après tout, est-elle censée anéantir ce qui a précédé? Ce n'est pas sûr. Donc j'essaie de répondre notamment à ces deux questions, en étant, j'espère, le plus simple possible, mais je serais peut-être contraint de rappeler quelques éléments biographiques concernant Pierre Garnier pour bien situer la suite du propos. Alors, Pierre Garnier naît le 9 janvier 1928 à Amiens et meurt en 2014 à Sesval, le 1er février 2014. On peut dire rapidement qu'il grandit, c'est important pour la suite, au sein d'une famille laïque de gauche. Quels sont les grands événements de sa jeunesse et de son adolescence et de sa vie d'homme? En 40, donc, il part en exode, son père est mobilisé, il a 12 ans. En 1946, il obtient son bac de philosophie, il part ensuite poursuivre ses études à Paris, il entre en classe d'Hippocagne au lycée Condorcet, et en novembre, il va s'inscrire à la Sorbonne. Il hésite, c'est très important pour la suite, entre l'histoire et l'allemand, et opte finalement pour l'allemand. En 1947, il obtient son certificat d'études supérieures, études littéraires classiques à la Sorbonne, et en 1948, celui de littérature allemande. Jusqu'en septembre 1949, il va étudier à l'université de Mayence en Allemagne. C'est là où il va entreapercevoir d'ailleurs sa future épouse. En juillet 1949, est publié pour la première fois un de ses poèmes intitulé « Intimité ». En 1949, il devient assistant à la Realschule de Wienweiler
dans le Palatinat jusqu'en juillet 50. Et en 51, il est de retour à Paris. Donc, il fréquentera le CNE. Il va rencontrer notamment Elsa Triolet et les jeunes poètes qui sont autour d'elle. Il fréquente également le Quintrec, la Brasserie Libre, le Dîner des Lettres, la Coupole en 51. C'est également en 51 qu'il va découvrir l'école des poètes de Rochefort. Et à ces occasions, il fait de nombreuses rencontres, dont Jean Bouillet, qui va publier ses premières œuvres, Jean Rousselot, Louis Guillaume et Roger Toulouse, qui resteront jusqu'à la fin des amis très proches. En 50, Garnier est donc, s'inscrit à la Sorbonne pour finir sa licence d'allemand. Il va retrouver Ise Hanneler-Göthel, sa future épouse, qu'il avait déjà rencontrée, comme je l'ai dit. Ise-Pierre Garnier se marie en 52. Pierre Garnier continue d'écrire, notamment une poésie dite traditionnelle. Il fait son service militaire en 53. Et il rentre donc du service militaire donc, le 15 octobre 1953 et regagne Amiens. Il partira ensuite en République démocratique allemande, la RDA. Il adhéra aussi au Parti communiste français, élément important de sa vie. La même année, il va recevoir son diplôme d'études supérieures d'allemand. Et de 55 à 59, il va connaître beaucoup de voyages. Il faudra se rapprocher de Violette Garnier qui étudie finalement l'impact des voyages sur Pierre Garnier. Il voyage en RDA, en Tchécoslovaquie, en Grèce, en Égypte, au Soudan, en Israël. Il travaille même au kibbutz de Givat Haïm. Et ces voyages ont marqué son travail à plusieurs titres. Par exemple, l'affaire de la nationalisation du canal de Suez, donc en Égypte, va trouver chez lui un écho à la fois littéraire et également politique. Alors, il fera d'autres grands voyages en 80 aux USA, au Sénégal, au Mali, au Kenya, en Turquie, en Bulgarie, en URSS. Martial, donc, des années 50 à 60, c'est... Oui. Excusez-moi un petit peu. Oui. Est-ce que vous pouvez ajuster un peu votre microphone parce qu'il y a quelques bruits qui pour tout le monde. C'est peut-être au nord. Oui, alors écoute, Ah oui, alors je vais essayer de faire autrement, mais ça ne doit pas être très très simple. Je vais peut-être faire comme ça. Voilà. Bon, c'est pas terrible. Voilà, ça marche. Est-ce qu'il y a encore du bruit? Apparemment, ça y est. Oui, merci. C'est bon, d'accord. Donc, excuse-moi. Voilà. Donc, en fait, en 1956, il deviendra secrétaire de la section d'Amiens, mais auparavant, il faut savoir que Pierre Garnier a beaucoup travaillé sur les essais. Il va notamment faire des essais sur Nietzsche, Heine, Nerval, Rimbaud, et surtout de nombreuses traductions, et la traduction est importante. C'est à partir notamment de la fin des années 50 qu'il s'intéresse donc aux nouvelles poésies avec Ise Garnier, et c'est peut-être cette période-là que l'on va essayer de comprendre mieux au regard de sa première œuvre. Alors, il faut savoir qu'autour de cette première œuvre qui a été vraiment très remarquée, dont je ne rentre pas trop dans les détails, il faut savoir par exemple que Rousselot très tôt perçoit dans cette poésie dite traditionnelle des vers, je cite, « musclés, pleins d'images concrètes », et Rousselot poursuivra plus tard notamment en montrant que l'influence chez Garnier est mixte. Il y a l'influence de Nietzsche, l'influence des poètes ésotériques, l'influence des poètes métaphysiciens et une pensée politique majeure dont l'étoile est Marx. Donc voilà un résumé rapide, trop rapide d'ailleurs. Alors quels sont les éléments qui, théoriquement, sont à l'origine du passage de la poésie traditionnelle à la poésie spatiale? Alors d'abord, est-ce qu'il faut parler de transition ou de rupture? C'est déjà une grande question. La transition, c'est la modification progressive des formes. Et donc, il y a une mémoire des formes, mais la rupture aussi, de toute façon, puisqu'elle va se définir dans un effet, on va dire, iconoclaste. Donc, s'il y a un effet iconoclaste, on se souvient, bien sûr, de formes primordiales ou antérieures. C'est le cas, Juliana, par exemple, de Calendrier, qui va paraître dans les lettres, notamment 30, de 1963. Je ne sais pas si tu peux passer le texte, notamment, à l'écran. Voilà, on va avoir donc Calendrier, je pense que, voilà. Donc Calendrier, on voit là la mémoire d'un système, celui du calendrier, d'un ordre, avec, on remarquera à gauche, la table des mois, du principe distributif, c'est-à-dire le texte, et permutatif, la grammaire du texte. On repère également des schémas géométriques, à savoir la verticale, la liste notamment des mois, et le cercle de distribution qui fonctionne sur les deux axes,
donc les axes vertical et horizontal. Donc on voit que dans un premier temps, il s'agit d'un champ linguistique qui substitue à la rhétorique traditionnelle une grammaire extralinguistique, et il y aura bien sûr par la suite une modification profonde où on parlera d'un paysage linguistique, mais où d'où surgira notamment une endogénèse grammaticale, c'est-à-dire une grammaire isomorphe qui vient du texte lui-même, bien qu'il puisse parfois répondre aussi à des instructions telles que la progression géométrique, par exemple. Alors, comme la poésie radicalement nouvelle, traditionnellement, se veut antipoétique et sortir du champ poétique, les manifestes qui vont être publiés dans la revue Les Lettres, dont Pierre Garnier sera jusqu'en 68 le directeur de rédaction, qu'est-ce que l'on trouve notamment comme propos? C'est quitter le champ d'application de la poésie piétine, c'est le ronron racinien, fin du sujet, à savoir, comme l'expliquera Ise en 63, c'est que finalement le sujet n'a plus à se situer notamment dans l'univers et parler de lui-même, puisque la langue elle-même devient un univers. C'est aussi l'objectivation du texte et sa distanciation. Le poème ne dit pas, il ne raconte pas, il est, comme dit Pierre Garnier. Parallèlement, il est normal qu'on ait l'éloge des sciences et de la technologie, donc très rapidement, épopée de l'espace, grande possibilité notamment du magnétophone, atomisation de la langue et arborescence en quelque sorte de ses éléments, poésie phonique, poésie visuelle, phonétique, sémantique, tactile, etc. Alors, comme l'a dit, ou du moins l'a laissé entendre tout à l'heure Francis, il y a effectivement, à travers cela, une mise en valeur du médium grâce aux théories de la communication, je n'y reviens pas, d'Abraham Maltz et surtout de Max Benze. La texte-théorie de Benze, c'est effectivement distinguer l'information esthétique de l'information sémantique, c'est-à-dire que la poésie est transmissible théoriquement, mais ne serait plus traduisible. Deuxième point, la médialité du texte poétique. Le texte naît notamment du médium, d'où le fiasco notamment de la poésie traditionnelle selon Garnier enregistrée, puisque la poésie notamment qui est enregistrée sur micro-sillon est avant tout une poésie faite pour le papier. C'est aussi le recensement, c'est là où ça commence à devenir un peu plus précis, des formes nouvelles et leur synthèse dans la revue Les Lettres. Tout ce qui concerne le recensement synchronique ne pose pas trop de problèmes puisque c'est la nouvelle poésie qui est en train de se faire, et aussi un recensement diachronique qui repose sur l'histoire littéraire. Alors, à partir de là, effectivement, on va voir une métabolisation des différents manifestes, brésiliens en l'occurrence, bien antérieurs au manifeste de Pierre Garnier, et qui va poser la question justement de la perception de l'espace, par exemple pour les Brésiliens, je vais vite hein, quand je dis pour les Brésiliens, et par exemple pour Pierre Garnier et ceux qui vont graviter, celles et ceux qui vont graviter autour de lui. Alors, si le recensement synchronique ne pose pas de problème, le recensement, par contre, diachronique en posera parfois avec Henri Chopin, non pas que les deux hommes ne s'entendent pas, mais ils ne mettent pas forcément toujours la même chose derrière les mots, les mêmes mots. Alors, il y a dans les publications, notamment de Pierre Garnier, Viseux et Pierre Garnier, un canon des précurseurs, à savoir Mallarmé, Apollinaire, les dadaïstes, éventuellement les surréalistes, éventuellement les lettristes. Alors, là, on a un grand problème, c'est que Pierre Garnier, dans sa première œuvre, en quelque sorte, c'est-à-dire dans les articles de journaux, est très dur avec Mallarmé, Apollinaire, les dadaïstes et surtout les surréalistes, car Pierre Garnier, à cette époque, considère que la poésie ne peut pas être réductible à un jeu, J-E-U. Ça ne peut pas être un jeu, c'est impossible. Pour lui, la poésie est antérieure, elle est essentiellement, on pourrait dire, spirituelle, mais il faudra préciser ce qu'on entend par spirituelle, elle n'est pas religieuse, mais elle pourrait se condenser finalement en un point incandescent qu'il s'agit de saisir. Donc tout ce qui concerne les jeux pose problème. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand bien même les précurseurs officiels, notamment canoniques, reconnus un peu par tous les poètes concrets, notamment sur la planète, cela continuera de poser de grands problèmes à Pierre Garnier, qu'il s'agisse de Mallarmé pour qui, enfin, pour Garnier, Mallarmé, c'est toujours l'expression, finalement, du monde de l'expression. Apollinaire, je pense que Pierre Garnier a lu trop rapidement les calligrammes. Il faut savoir que les calligrammes, on les a abordés surtout après 1945. Et donc, il les associe peut-être, je dis bien peut-être, trop rapidement, notamment au pictogramme. Et concernant les dadaïstes, eh bien, il y aura effectivement un revirement grâce notamment à la rencontre avec Henri Chopin. C'est-à-dire qu'il faut ici montrer qu'il y a l'histoire littéraire, c'est effectivement la plateforme,
mais associé à ce qu'on pourrait appeler le voyage en littérature. Ça, c'est très important aussi. La rencontre est très importante, comme l'a souligné dans un excellent article Anne-Christine Royer, Chopin est bien, selon l'expression de Garnier, une tête chercheuse. Et il est très probable qu'à la fin des années 50, on va dire peut-être à partir de 57-58, il y a chez Pierre Garnier notamment une envie peut-être d'aller plus loin dans les formes poétiques, et les derniers recueils traditionnels de la fin 58-60-61 est très certainement et même assurément emprunt notamment des rencontres avec Chopin. Alors, Garnier lui-même dit que chaque fois qu'il rencontrait Chopin chez lui, il se transformait en une espèce de dynamique favorable à la création et que c'est dans cette ambiance notamment qu'il a créé ses premiers poèmes visuels. Donc pour le reste, finalement, je renvoie à l'excellent article, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'Anne-Christine Royer, qui explique notamment, donc l'article c'est Iseult, Garnier, Pierre Garnier et Henri Chopin 1960-1966, où elle rappelle que la Tour de Feu était probablement le lieu de rencontre notamment de Chopin et de Garnier, que Pierre Garnier va collaborer à la revue de Chopin 5e saison à partir du numéro 7, et Chopin va publier, on va dire, des poèmes entre guillemets traditionnels, mais je mets quand même beaucoup de guillemets à traditionnels à cette époque, soit le Cantique des oiseaux, une nouvelle, seuls quelques-uns le peuvent, et aussi un extrait du dernier recueil dit traditionnel, les synthèses, entre autres. Donc, Pierre Garnier est bien au cœur des nouvelles médiations de la poésie, c'est incontestable, et il est aussi au centre des convergences à l'aube des nouvelles poésies. Donc, il va découvrir ou redécouvrir Pierre-Albert Biraud, il va sans doute s'attacher davantage à Michel Sefort et surtout Raoul Hassmann. Alors, quand Anne-Christine Royer précise, et la raison que c'est grâce à Franz Mohn qu'il entre le premier en contact avec épistolaire avec Hassmann le 6 avril 63. Il faut savoir que Pierre Garnier lui-même déclare « C'est par Henri Chopin que j'ai rencontré à nouveau le vrai dadaïsme, celui des années 17 ou 18, là où se trouvent les racines d'une bonne part de la poésie concrète et spatialiste. » Donc voilà l'apport quand même d'Henri Chopin. Alors maintenant, on va se poser une question plus importante. Finalement, est-ce qu'il faut voir un glissement entre la première œuvre de Garnier et la seconde, ou est-ce que finalement tout est dû à un jeu de rencontres, grâce quand même à la littérature et heureusement? Alors, les effets de la rencontre avec la littérature et ses poètes, il y a quand même les prémices d'une nouvelle écriture, on va dire grosso modo, à partir de 1958. Dans un recueil d'aphorismes intitulé « Position actuelle », on trouve des choses très intéressantes comme « Aujourd'hui, nous vivons d'éclat » ou bien « L'histoire, c'est l'œil, la poésie, c'est l'esprit. » Mais sans l'œil, dit Pierre Garnier, l'esprit n'y voit goutte. Plus important encore, il écrit, et là on voit l'influence des échanges, « Le je est prosaïque, c'est il qui écrit le poème. » Ou bien encore, et là on s'achemine vers autre chose, un simple cercle tracé sur la feuille oblige la pensée à aller de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Le graphisme est la forme noble de l'expression. Alors, on pourrait donner encore d'autres exemples et remonter un peu dans le temps, c'est-à-dire avant les années 60, bien entendu, où on trouve notamment la poétique du point, la poétique notamment de la montée et de la descente qu'on retrouvera notamment dans les poèmes spatiaux de Pierre Garnier à partir notamment de 78 à peu près, notamment dans le jardin japonais dédié à son ami, le pur poète de l'espace, dit Pierre Garnier, Niikuni Seishi, dont on a parlé tout à l'heure. Le dernier recueil, les synthèses, et le titre est intéressant, on voit aussi l'apparition de signes extra-linguistiques dans un texte linéaire, voire quelquefois dans une forme canonique comme le sonnet. Par exemple, « L'heure traverse ta chevelure blanchie et on a une flèche. » Ou bien « Éclair du bec plus, le signe effectivement mathématique, tonnerre des ailes. » Le dernier recueil entre guillemets traditionnel de Pierre Garnier se termine par « Là cesse le livre, le langage n'a plus assez d'eau. » Alors la poétique de la rupture est paradoxalement issue aussi de la cohérence de l'imaginaire contenu en fait dans la première œuvre. Je vais aller très très vite, notamment. Je vais essayer de donner quelques directions.
Dans la première œuvre, on trouve l'idée de destruction, la guerre, par opposition, notamment au monde naturel. On a aussi la transcendance de l'idée, la fin de l'histoire par opposition à la permanence du monde, l'ambivalence de la main, qui est un soleil, mais qui peut être aussi porteuse d'armes. On a la dialectique de la lumière et des eaux, la dialectique du vide et du plein. Tout cela est contenu finalement dans la première œuvre poétique, notamment de Pierre Garnier. On a aussi peut-être un autre élément important, c'est la considération notamment que la distance chez Pierre Garnier est en fait une déchirure inguérissable. Et l'idée notamment de blessure, c'est-à-dire aussi de cette ligne qui va séparer, c'est-à-dire aussi la frontière, on va la retrouver très souvent, notamment dans Le Jardin japonais, mais aussi dans d'autres productions ultérieures de Pierre Garnier. Mais ce qui est encore plus intéressant, me semble-t-il, c'est la thèse défendue par notre regretté collègue Briolet, qui, dans un article, montre qu'à partir des 5 premiers recueils, c'est-à-dire grosso modo des années, on va dire des années, je vérifie un petit peu les dates, des années 50 à 52, eh bien, Garnier met en mouvement un imaginaire de l'espace et du mouvement. C'est-à-dire, pour reprendre notamment et résumant Briolet, les centres de convergence et de dispersion de forces en mouvement à travers l'infinité spatiale. Voilà comment définit Briolet ses premiers recueils de Pierre Garnier. Alors, il est vrai que, et on pourra peut-être voir le texte à l'écran, dans « Poèmes mécaniques d'Isaac Garnier et de Pierre Garnier », publié en 65, cette préfiguration poétique en amont, on la retrouve, bien entendu, dans cette production beaucoup plus récente. Alors, le glissement rupture aussi notre histoire. Il s'agit de combler pour Pierre Garnier un vide idéologique. Il y a d'abord le désastre de la guerre, c'est le premier point. C'est aussi la fin des idéologies. D'ailleurs, Pierre Garnier va quitter le Parti communiste français. C'est aussi une géographie de la destruction que l'étudiant, le jeune homme, va visiter des deux côtés du Rhin. Donc, on peut se dire que lorsqu'on regarde les amas que constituent les villes détruites en Allemagne et ailleurs, le nom de la ville, c'est-à-dire aussi le mot, c'est-à-dire aussi le substantif, ce qui subsiste, est certainement associé à la connaissance de la poésie, notamment de Gottfried Benn, un élément important dans l'élaboration de la nouvelle poésie. Mais ça veut dire aussi que Pierre Garnier n'abandonnera jamais totalement, en fait, ce qu'on pourrait appeler la matière linguistique. D'autre part, le blanc devient pour lui le signe par excellence. C'est le premier signe, à la fois opaque et transparent. Je cite, « Le nom premier de chaque chose est le blanc » ou bien « Le nom rend le blanc », déclare donc Pierre Garnier en 1981. Cette idée, on la trouve déjà finalement en 61, quand il dit par exemple que les pâles jardins, il évoque notamment des jardins, les pâles jardins qui pensent au-delà de notre pensée. Donc il semble bien qu'il y ait sans doute une continuité, mais pas seulement thématique, notamment entre la première et la seconde œuvre. Autre élément important également, c'est que la destruction, notamment des villes allemandes, la destruction d'Amiens, qui a été rasée et où subsiste notamment la cathédrale, est peut-être, à moins que ce soit une surreprésentation, à l'origine aussi d'une grammaire, une grammaire des formes primordiales, à savoir l'horizon dégagé, la verticale, et la géométrie, comme on va le voir, est un élément qui sera également important dans la nouvelle poésie. On la trouve déjà dans les années 60, dans des textes en prose de Pierre Garnier, cette évocation. Mais on peut encore aller un petit peu plus loin dans les poèmes géométriques, qui paraîtront effectivement plus tard, et on la trouve aussi sous une forme d'ailleurs intéressante lors d'une exposition à la Bibliothèque municipale d'Amiens, à travers Juliana, les trois poètes, si on peut voir notamment ce tableau texte, notamment à l'écran, où chaque figure géométrique devient en soi donc un personnage poétique. Donc on a les trois poètes, voilà, je pense que c'est ça. Merci Juliana. Donc je continue. La poétique des décombres induit donc une poétique de l'architecture et aussi de la géologie. On aura dans les premiers textes visuels de Garnier des strates
les décombres, mais également des restes, notamment d'histoire. C'est notamment ce qui apparaît dans deux ouvrages, notamment des années 65 et 67, d'Isegardier de Pierre Garnier, Prototype, texte pour une architecture, ou Othon III, Jeanne d'Arc, structure historique. Donc on peut voir rapidement, Juliana, je te mets à contribution, je suis désolé, notamment Othon III, Jeanne d'Arc, où on a à la fois effectivement la référence en haut à droite aux structures historiques. Vous avez donc l'un des poèmes, notamment Jeanne, qui apparaît. Mais ce qui est important aussi pour la suite, on le comprendra, on a des éléments biographiques concernant notamment les sujets dont on va parler, notamment, du moins pas dont on va parler, mais qui seront évoqués notamment dans ce recueil important d'Ise et Pierre Garnier. L'autre élément, on voit que la géométrie ne disparaît pas dans un texte de 93, c'est le cavalier, où Pierre Garnier reprend un élément d'architecture, mais lui donne un sens particulier. On remarquera aussi la coexistence de la figure et du texte, notamment, comme on le verra tout à l'heure, qui semble revenir. Poétique de la rupture, il y a bien sûr les influences littéraires, il y a les baroques allemands, il y a Novalis, qui parle de picturalité de l'écriture, notamment du rêve d'un poème isomorphe, à l'image notamment du langage mathématique. Il y a aussi d'autres éléments, c'est le drame des langues majoritaires et minoritaires. Pierre Garnier était traducteur, la même langue pour un pays partagé en deux, RDA-RFA. On voit que la frontière n'est pas simplement une seule ligne, notamment d'horizon posée sur la page, cela implique aussi séparation et drame. Il y a un exemple, je n'ai pas trop le temps finalement peut-être de rentrer dans le détail, il y a le poète Ondra Lizoworski, qui était un grand ami notamment du couple Garnier, et qui, à cause notamment de la langue lac ou la chic, on peut dire les deux, je crois, va connaître des déboires historiques très importants. La langue implique totalement la personne, finalement, dans la société et dans la, on pourrait dire, la géopolitique. La langue n'est pas un épiphénomène de l'être, mais c'est plutôt effectivement un élément fondateur. Alors, cette poétique de l'intervalle, ça me semble effectivement très, très important. La première expérience, la transcription d'un tableau de Staël, de Nicolas de Staël, donc on sait que le texte a disparu. Ce qui est important, c'est l'écart qui existe, plutôt que l'intermédialité, entre un tableau, c'est-à-dire une forme particulière, artistique, qui est pensée autrement, et non pas transposée, mais projetée par l'écart sur une feuille de papier. Je pense que ça n'engage que moi, et c'est tout à fait discutable, on en discutera après. Pour Pierre Garnier, le véritable poème n'appartient donc jamais à une langue ou à une autre, à un système ou à un autre, mais au passage de l'un à l'autre et de l'un par l'autre. Et il garde en mémoire notamment ce transfert en quelque sorte invisible. C'est la raison pour laquelle, dans un poème, Voyage au centre de la langue, publié dans une revue, la revue Inuit numéro 3, que l'on va voir à l'écran, il faut distinguer, et je rends d'ailleurs hommage Marianne, pour le grand travail que tu as fait, notamment sur le cinéma des poètes, en l'occurrence pour Ise et Pierre Garnier, ce sont des projets effectivement qui leur tenaient à cœur. Et d'un autre côté aussi, la problématique du mouvement, mais du mouvement qui est représenté notamment sur la page, c'est-à-dire qui se présente surtout comme un intervalle. On n'a pas le temps de parler de Deleuze, mais quand on se verra, on en discutera un petit peu tous les deux, puis avec les autres aussi, à l'occasion. Alors, en quoi la poésie spatiale te remémore-t-elle la première œuvre, notamment la poésie linéaire et ses thèmes? 1. Pierre Garnier n'a jamais rompu avec la poésie linéaire. Il dira d'ailleurs lors d'un colloque que pour lui, il n'a jamais été question de rompre, notamment avec une forme ou une autre. Alors, ce qui est relativement intéressant, c'est qu'en 68, par exemple, on paraître à la fois chez le même éditeur, Perpetua Mobile, un recueil de poésie linéaire, mais on va dire renouvelé, on voit l'apport, l'occurrence de la poésie concrète et spatiale, l'influence par exemple de Gapmeier dans certains poèmes, et on voit en même temps l'ouvrage Poésie concrète qui paraît la même année en 68. Donc à partir de là, on va voir quelque chose de nouveau peut-être, notamment à travers la série des chroniques qui sont, entre guillemets, illustrés, comme l'a rappelé Marianne, je crois, dans un article, mais je ne sais plus lequel,
Marianne rappelle que dans illustration, il y a lumière. Et je crois que c'est une façon aussi de présenter les deux faces, finalement, de l'histoire. Pierre Garnier ne nie pas que, quand il dit finalement que l'histoire est morte, dans les 7 poèmes extraits d'Ithaque de la première période, il dit par exemple, enfin il dit, je cite, « Louis XIV, Napoléon, la civilisation, montez, crevez et descendez. » Ou bien, il écrit, « L'histoire pousse à côté de l'homme. » Néanmoins, l'histoire n'est pas évacuée par Pierre Garnier. Il y a une autre façon, en fait, de l'évoquer. Alors, il y a notamment dans Othon III, Jeanne d'Arc, ce qu'on pourrait qualifier de paysage historique, en quelque sorte. Et on sait que le paysage, chez Hérodote, ou dans la Bible en l'occurrence, ou au Moyen-Âge, a une signification. Le paysage héroïque, qui est un genre pictural aussi, est une façon, dans les structures historiques d'Othon III, Jeanne d'Arc, de montrer l'histoire, notamment d'une autre façon. Et on verra d'ailleurs que les insignes de l'Empire, une partie, un texte en l'occurrence, peut quand même rappeler par certains côtés seulement, notamment les calligrammes apollinariens. Donc on voit que la modernité se nourrit aussi de courants fondateurs. Rétrospectivement, par exemple en 2002, Pierre Garnier va remonter au constructivisme dans un recueil qui s'intitule « Matière, poésie spatiale », ouvrage écrit à six mains, avec notamment Réa Nikonova et Serge Seguet. Il dit, par exemple, dans le texte, il apparaît que dans les années 20, futurisme, l'EF, constructivisme, voulait changer la vie. Selon le mot de Rimbaud, il fallait collaborer avec des bolcheviks considérés comme une énergie soudain libérée. Il s'agissait de déchaîner des forces pour la création d'une vie nouvelle. Donc, outre la persistance notamment de thèmes ou la survivance des thèmes, je pense que la cohérence thématique n'est pas suffisante pour prouver qu'il y a une continuation entre la première et la seconde œuvre. Ce n'est pas suffisant. Mais néanmoins, c'est présent. Dans la première œuvre, il y a effectivement des références à Jésus, au Christ, à la Vierge, à Perséphone, aux figures mythiques également de l'histoire. Ce n'est pas une poésie religieuse, encore une fois, il faut le préciser pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. C'est une poésie, notamment, on va dire, qui essaie de rendre compte d'un certain idéal. Ce sont des images, ce sont presque des outils, finalement, pour s'exprimer dans ces poèmes linéaires. Mais néanmoins, ces figures vont apparaître encore, notamment, dans la poésie spatiale par la suite. L'autre élément aussi, notamment, est-ce qu'il y a une remémoration de la première œuvre ? Eh bien, c'est le retour aux langues nationales qui auraient chacune sa spécificité. C'est-à-dire que Pierre Garnier, comme Ise Garnier d'ailleurs, je n'ai pas le temps de lire une lettre de 99 d'Ise Garnier, je peux simplement l'évoquer. La question que je lui posais, pourquoi écris-tu parfois en allemand et pourquoi écris-tu, la poésie spatiale, en anglais ou en français ? Elle explique notamment que le mot n'est pas pris au hasard, mais que le français offre parfois, parfois seulement, plus de possibilités pour exprimer ce qu'elle trouve, elle, à exprimer dans le mot. Donc, il y a, en fait, je crois, chez Pierre Garnier, à partir de 64, l'idée que la poésie concrète, et je rends hommage notamment à tous les Brésiliens qui pourraient nous écouter, repose, selon Garnier, sur un jeu de permutation, le mot « jeu » apparaît, et serait, selon lui, issu d'une civilisation absolument technique, c'est-à-dire ne déboucherait pas, ça n'engage que lui, sur l'univers. Tandis que la poésie concrète, version spatialiste et puis spatiale, donc tout ça fait référence à Poésie concrète Panorama, publiée dans les lettres numéro 32 en 64, la poésie concrète ou le spatialisme insisterait davantage sur la matière, l'énergie à la fois corporelle et incorporelle, à la fois systématique et sensible. Le retour aux langues nationales, c'est aussi la juxtaposition des langues, le retour à Babel, notamment comme richesse poétique. Donc on a quitté effectivement les grandes théories, notamment de Max Penzer, sur le fait d'une poésie qui serait transmissible et non pas traduisible. Alors si l'on regarde par exemple Labyrinthe, donc Juliana va peut-être nous montrer l'image à l'écran. Dans Labyrinthe,
on a, je pense, un terme qui se comprend assez facilement, même quand on n'est pas un grand spécialiste, notamment de langue comme moi. Sur la page de gauche, on a effectivement l'énumération dans différentes langues du terme. Ce n'est pas ici utilitaire. Il y a la volonté, très certainement chez Pierre Garnier, notamment de montrer la richesse, notamment des langues, même quand les mots semblent se répéter. Cela n'engage que moi aussi, je tiens à le préciser. Autre élément, c'est le retour à la linéarité, c'est-à-dire que le poème spatial, c'est aussi un récit spatialisé. Alors, c'est la fonction narrative dans le poème spatial Tristan et Iseult, par exemple, également dans la plupart des livres, livre d'Iseult, livre de Daniel, livre de Pélie, etc. Mais c'est aussi le retour de la phrase. Si on regarde, par exemple, Juliana va nous montrer une page d'une nativité donc publiée en 88, on voit que le texte spatial est composé non pas d'une figure, mais d'un texte tiré des évangiles, avec effectivement une transposition, pourrait-on dire, à partir du mot « jardin ». Donc, le texte lui-même devient en quelque sorte non pas une expression en tant que telle, mais un motif, notamment, à partir duquel le poète peut s'exprimer ou lui donner d'autres directions. L'horizon de la ligne, je renverrai également notamment aux travaux de Thiago Buoro, je suis désolé pour l'accent tonique, il ne doit pas être bien placé, et Thiago Buoro a eu une idée assez géniale dans un de ses articles, c'est que Pierre Garnier finalement renoue grâce à la ligne d'horizon, il y a plusieurs fonctions, comme l'a montré Michel Collot, hein, c'est l'horizon fabuleux, etc., en montrant que finalement il s'agit de réconcilier à partir d'une ligne de séparation qui représente en quelque sorte le sujet. C'est-à-dire qu'on reviendrait notamment à un certain lyrisme, et c'est vrai que peu à peu, chez Pierre Garnier, on abandonne la typographie, on abandonne la machine à écrire, on en revient au manuprime, à la boniformisation, c'est-à-dire la forme géométrique à main levée, c'est-à-dire que de plus en plus, le corps du poète s'inscrit dans le poème. C'est aussi la subjectivité du jeu, mais bien entendu, c'est un lyrisme différent de la première œuvre. Il s'agit ici d'un jeu, J-E cette fois-ci, non pas jeu, hein, jeu, J-E, qui serait universel, débarrassé de l'ego en quelque sorte, pour atteindre notamment une certaine universalité. Alors, si on a un retour de la ligne, on a également l'éloge du livre. C'est ce que l'on voit, par exemple, dans un extrait qui va apparaître après, tiré notamment des devises, c'est de l'éloge de l'eau et l'éloge du livre. Je pense que Juliana va nous montrer notamment la figure tout de suite, où non seulement le livre est représenté sous forme de pictogramme, donc c'est l'image qui suit, je crois, voilà, où vis-à-vis, on a l'éloge de l'eau avec le jeu de mots, bien sûr, sur le son « eau » en français, et l'éloge du livre, c'est-à-dire du livre et de son personnel, c'est-à-dire de son alphabet. C'est la raison pour laquelle, très tôt, dans les premières expériences, 62-63, on a l'utilisation du sommaire et on atteint aujourd'hui un autre niveau avec le pictogramme du livre. Donc, je pense que ce n'est pas seulement à hasard, finalement. Je pense qu'il y a effectivement une mise en scène du livre et, pour aller très vite, plus vite, aussi une survivance de la prosodie. Alors là, je renverrai effectivement aux travaux, tes travaux, Juliana, et à ta thèse, également aux travaux de Francis en particulier. Quand on regarde, par exemple, le beau carré de la mer et de ses vagues, c'est tiré des poèmes géométriques. Évidemment, ne pas donner à un élève sans préparation en disant « je ramasse les copies dans une demi-heure ». Le beau carré de la mer et des vagues, on peut se poser la question, en quoi consiste ce rapprochement? Est-ce que le rapprochement est arbitraire? Est-ce que c'est gratuit, etc. On a différentes façons de voir cela. Soit c'est une projection dans un cadre d'un mouvement invisible, notamment le mouvement des vagues, mais on a en même temps une dénotation qui apparaît, il y a bien un carré qui apparaît en quelque sorte dans le titre, entre guillemets, le beau carré, mais la dénotation elle-même est accompagnée notamment d'un terme qui permet la connotation poétique, le beau carré, de la mer et des vagues. Donc finalement, comment fonctionne l'analogie entre la figure et le titre?
Alors, il y a d'abord l'hiatus, le choc entre la figure, un carré, les quatre côtés, et le rythme ternaire de la phrase, le beau carré de la mer et de ses vagues. Mais on a aussi l'instabilité, notamment rythmique, 4, 3, 4, le beau carré de la mer et de ses vagues. C'est-à-dire que cette instabilité elle-même ne peut pas être représentée dans le carré, dans le seul carré. On a aussi peut-être une autre façon très rapidement de voir les choses, c'est l'instabilité du connecteur et, qui est souvent mis en scène dans la poésie spatiale par Pierre Garnier, car on peut lire aussi le beau carré, 4, de la mer et 4, ou bien et de ses vagues, 4. C'est-à-dire, outre la projection, eh bien, c'est un carré et on va projeter effectivement le mouvement, la prosodie elle-même accompagne, me semble-t-il, la figure, et la figure semble reposer sur un mouvement prosodique. L'autre poème extrait, on va aller un petit peu plus vite, notamment sur l'espace, le temps. Alors, voilà, on a un carré à nouveau. Alors, différentes façons de voir la chose, ou bien l'espace est sous le carré et le temps sous 1789. Un poète médiocre, en tout cas moins bon que Pierre Garnier, parlant de 1789, date de la Révolution française, la Révolution c'est aussi le cercle, aurait pu notamment inscrire un cercle. Mais ça n'aurait pas eu la richesse notamment de ce texte qui est là sous nos yeux. Donc on a bien sûr l'espace, c'est le blanc du carré, un blanc circonscrit par la figure géométrique, et le temps, c'est un espace qui ne serait pas circonscrit sous 1789. Mais pourquoi ce n'est pas un cercle? Peut-être parce que le temps, finalement, comment dire, que le poème plutôt, répondrait davantage, encore une fois, à une figure prosodique. En fait, dans les deux cas, dans la partition de la page, on a un déterminant et un substantif, l'espace, un déterminant et un substantif, le temps, c'est-à-dire deux et deux, c'est-à-dire que la forme totale, excusez-moi pour ce problème mathématique vite résolu, ça donne 4. D'accord ? Dans la poésie, notamment dans les poèmes géométriques, on a aussi, là, il suffit d'imaginer par exemple Pierre Garnier, trace une courbe avec comme titre « L'eau pense ». C'est-à-dire que la forme elle-même peut nous donner une image, cette fois-ci acoustique ou sonore, notamment du titre. On a aussi quelquefois un cercle. Alors, ça n'apparaît pas dans les exemples que je t'ai donnés, Juliana, mais on peut imaginer un cercle. Et nous avons comme légende le cercle où nous dormons. On a un autre poème, c'est en fait l'arche avec mémoire de l'arbre. C'est-à-dire que la poésie sonore n'est pas non plus totalement évacuée. Voilà, donc je vais passer peut-être rapidement, on aurait pu parler également de Congo, poème filmé, poème spatial, que Juliana va peut-être nous montrer à l'écran, mais je ne voudrais pas non plus monopoliser le temps. Simplement, je vais préciser que le nombre et le chiffre, notamment dans le cadre de la prosodie, sera important, et c'est la raison pour laquelle peut-être, je suis très très prudent aussi, on peut trouver un recueil, notamment, ce sont les dernières images, je crois, Juliana, ce sont les poèmes en chiffres, voilà, je sais les retrouver, poèmes en chiffres de 1988, où l'on voit que Pierre Garnier, on est toujours sur l'idée du point, du surgissement, de l'idée, du concept, de la scintillance en quelque sorte, mais on revoit par exemple des thèmes comme crucifixion, rien de religieux, mais une réinterprétation en quelque sorte, c'est un peu les petits poèmes simplistes, mais transposés en quelque sorte. C'est vrai que 1 divisé par 1, ça donne 1 et reste 0, une façon quand même absolument, de mon point de vue, remarquable de réutiliser le thème de la crucifixion, par exemple. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a ici une magie mathématique qui est aussi d'abord la magie de la poésie. Conclusion, très rapidement, je pense que pour revenir notamment sur tout cela, il y a 3 tomes d'un recueil poétique très important de Pierre Garnier, c'est une mort toujours enceinte. Pierre Garnier va revenir sur sa première production, sur ses rencontres avec Chopin, sur ses rencontres avec Julien Blend, avec tout le monde, en fait, avec Kappmeier, Gumringer, etc. C'est vraiment très touchant et c'est aussi très riche. Il n'y a que l'œuvre, finalement, qui puisse répondre aux questions que pose une œuvre. Les commentateurs, à mon avis, doivent parfois se faire très discrets. Je pense qu'il faut toujours revenir à l'œuvre d'abord.
D'autre part, on pourra dire que Pierre Garnier n'a jamais quitté finalement un lyrisme authentique. Il n'y a pas de tricherie chez lui. Ce lyrisme s'est simplement déplacé d'un jeu subjectif à un jeu qui se voudrait finalement quasiment universel. Voilà, j'ai mis en souvenir quelques photos, notamment d'Iseux et Pierre Garnier, et je vous remercie pour avoir eu la patience de m'écouter, et j'espère que ça a été suffisamment clair. Merci beaucoup. Merci G. Merci énormément aussi, Martial. Très, très belle explanation et voyage à travers Garnier, vraiment, pour, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais comme ça, on a déjà un aperçu très, très bien tracé de son œuvre. Et bon, merci encore. Passo agora ao português. Gente, vou abrir para as perguntas. Quem quiser pode abrir o microfone, levantar a mãozinha e colocar suas questões ou colocar pelo chat. Eu traduzo. Depois dessa viagem pela escrita, viagem poética pela escrita, né, em vários níveis, né, o espaço, os números, os sistemas de escrita, a tipografia, acho que pelos três... tem um panorama completo do uso poético, todas as possibilidades de uso poético da escrita em suas diversos níveis. Então, alors, si quelqu'un a de vous poser une question. Vou ver aqui no chat. Keila Holmquist, Keila de Martial, que Garnier a fait une prémonition de la poésie numérique. Oui. Alors, oui. En fait, oui, quelle est la question, Juliana? Attends, je vais reparaître à l'écran. Oui, c'est sur le chat, c'est pas spécialement une question, c'est juste un commentaire, je trouve. Oui. Alors, sur le commentaire, oui, sur la prémonition de la poésie numérique, c'est-à-dire qu'à l'époque où Garnier s'intéresse à la poésie, notamment concrète, spatiale, la poésie digitale, comment dire, existe déjà. De toute façon, on a notamment Max Benzer qui a travaillé. Attendez, excusez-moi, j'ai un petit problème de connexion. On a des petits problèmes ici en Picardie profonde. Juliana, voilà, je réapparais. Voilà. Donc, la prémonition de la poésie numérique, c'est de voir, se demander si dans les textes théoriques de Pierre Garnier, il n'y a pas potentiellement déjà, en fait, soit l'accompagnement de ce que sera par la suite la poésie numérique, voire en fait, l'article pose la question de savoir s'il y a des points de connexion très clairs entre la poésie digitale ou numérique, notamment, et les prémices de la poésie concrète et spatiale, de façon générale. Super, merci Martial. On a une question envoyée ici à moi, exclusivement. J'ai traduit une question de Julio Mendonça à Marianne. Il demande, il dit, il vous remercie et il nous dit que Marianne nous a montré et parlé de poètes japonais de différentes générations, quelques-uns très peu ou pas du tout connus ici au Brésil. Elle a parlé aussi de la fertilité entre la poésie visuelle et les arts visuels dans la poésie concrète japonaise. Alors, il pose la question, comment c'est la réception de la poésie concrète au Japon? Est-ce que là-bas aussi, elle peut être considérée plus proche du champ de l'art classique, de beaux-arts, de l'art visuel, c'est les rapproches, plutôt que du côté littéraire, je suppose. Les prises aussi plutôt parmi les au Japon.
Est-ce que ça va? Vous m'avez compris, j'ai fait une traduction. Votre microphone, Marianne, pour ne pas... Il faut appuyer sur... Pardon, merci. J'avais, excusez-moi, j'avais tout voilà. Simplement supprimé le micro. Pardon. Ça marche. Oui, les poètes visuels occidentaux ont été connus au Japon, aussi par l'intermédiaire des poètes visuels japonais eux-mêmes. Par exemple, Mukai Shutaro était germaniste, enfin il est toujours germaniste, Kamimura Hiro aussi est germaniste, et donc ils ont importé, si j'ose dire, ils ont contribué à importer au Japon des poèmes en allemand. Par exemple, donc Nikuni a publié des poèmes de Pierre Garnier et Ilse Garnier dans sa revue, donc il a introduit des poèmes en français. Il y a des poèmes de Perpetuum Mobile de Pierre Garnier par Kitasuno Katsue dans sa revue Vao, et des poèmes en allemand qui ont été introduits aussi. Donc il y a eu beaucoup d'échanges internationaux qui ont fait que des poèmes occidentaux ont été connus au Japon. Alors, est-ce que les poèmes occidentaux sont considérés plutôt comme des proches des arts plastiques que de la poésie? Moi, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment considérés comme de la poésie. En tout cas, pour ce qui est des années 70, 60-70, c'est vraiment considéré comme de la poésie et pas comme des arts plastiques. Puisque des gens comme Gombringer, par exemple, n'utilise pas de peinture, de photographie, des choses comme ça. C'est vraiment la poésie visuelle pure et dure, si j'ose dire. Mmh. Voilà. Alors, le fait que la poésie visuelle japonaise soit très peu connue à l'étranger, c'est vraiment quelque chose de tout à fait dommageable. Je m'emploie à y remédier. J'essaie d'y remédier, mais c'est tout à fait dommage parce que la poésie visuelle japonaise apporte une contribution tout à fait importante au mouvement mondial. Quand on regarde les principales revues, les principales anthologies de poésie visuelle, elles contiennent des poèmes de Nikuni ou de Fujitomi ou de Mukai, par exemple. Mais les lecteurs occidentaux ne savent pas qu'en faire, donc ils regardent puis ils passent. Enfin, ils ne savent pas comment appréhender ces œuvres-là. Mais elles y sont, en fait. Quand on regarde dans les anthologies, on les trouve. Et j'ai passé beaucoup de temps à la bibliothèque Kandinsky pour regarder les revues occidentales, pas simplement les anthologies, mais les revues, les magazines. Les Japonais sont là, ils y sont. Mais il y a toujours un poème ou deux poèmes qui sont là de façon presque anecdotique. On ne sait pas très bien qu'en faire. Voilà. Tout à fait. Je vais poser la question, est-ce que vous savez... Vous pouvez conseiller, il y a un site internet ou un archive, une publication qui peut, où les gens peuvent, que les gens peuvent consulter pour avoir une introduction au début, parce que c'est parfois ça, on ne sait pas très bien par où commencer. Il y a quand même des publications en allemand qui c'est pas très accessible non plus. Alors en fait, ce qui existe essentiellement, ce sont des catalogues d'expositions. Mais ils sont pas forcément faciles à trouver. C'est par exemple celle-ci, vous voyez, il y a des japonais dedans, dans le poésie concrète, visuelle, conceptuelle de Lishinga. Ou bien on trouve aussi dans un autre cas, voilà, texte Zeyen, parce que donc les Allemands, comme il y a plusieurs poètes visuels japonais qui étaient germanistes, ils ont multiplié les liens avec les Allemands. Donc on a des livres, des recueils de poèmes visuels à la fois, qui réunissent à la fois des Japonais et des Allemands, mais il n'existe pas encore une présentation de la poésie visuelle japonaise. Pour tout vous dire, je suis en train d'en écrire une. Donc, c'est une histoire anthologie de la poésie visuelle japonaise, parce que comme ça n'existe pas, il faut bien que quelqu'un le fasse. Et donc, je m'y emploie. Voilà. C'est super, c'est une très bonne nouvelle. Et là, voilà, ça va être la référence pour nous, parce que sinon, soit il faut apprendre l'allemand, soit apprendre le japonais. C'est pas... Voilà, et puis en fait,
faut dire aussi qu'à l'époque de Kitasono et de Nikuni, il y avait deux revues. Kitasono avait sa revue, la revue Vao, et Nikuni avait sa revue, la revue Asa. Et ces revues étaient envoyées aux correspondants étrangers. Donc, par exemple, Pierre Garnier me recevait Asa, Julien Blaine recevait Vao, etc. Donc, il y avait beaucoup d'échanges et les revues étaient envoyées. Et aujourd'hui, ça continue. Il y a encore quelques revues, pas beaucoup, mais quand même la revue Delta, qui est héritière de la revue Vao. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, il y a une revue qui s'appelle Delta. Aujourd'hui, mais elle n'est pas commercialisée. Ces revues ne sont pas vendues. Donc, ça ne se trouve pas dans le commerce. Même si vous voulez les acheter, vous ne pouvez pas le faire. Parce que c'est diffusé aux amis ou aux membres ou aux personnes proches. Donc, par exemple, Yoshizawa avait une revue qui s'appelait Shishi. Et il m'a donné Shishi, l'abréviation de Shikakushi. En japonais, Shikakushi veut dire poésie visuelle. Et Shishi, donc, c'est poésie visuelle. Donc, il m'a donné tous les exemplaires, un exemplaire de chaque numéro de sa revue. Et pour les numéros qui ne restaient plus d'exemplaires, il m'a donné des photocopies. C'est comme ça que j'ai pu y avoir accès en les contactant directement, en étant en relation avec eux. Mais sinon, on n'a pas les moyens d'avoir les recueils et le dépôt légal n'existe pas au Japon. Donc, et les poètes n'ont pas déposé leurs œuvres dans des bibliothèques. Donc, les œuvres se perdent, en fait. Il est difficile d'y avoir accès. Vraiment. Voilà. C'est aussi un problème. Déjà, pour la poésie européenne, brésilienne, il y en a pas mal d'éditions très limitées, artisanales. C'est déjà difficile à cataloguer et de rassembler toute cette production. Oui, mais on trouve sur Internet beaucoup de choses. Des campos, par exemple. Bon, des campos, c'est très, très visible sur Internet. Yoshizawa, oui. Non. Voilà. Clairement, non. Mais Nikuni, non plus. Clairement. On a cette difficulté par des parutions qu'ils ont faites spéciales, mais la grande chose est déjà plus ou moins arrangé, c'est ça, voilà, pour les poètes japonais. Alors, même pour les plus célèbres, je ne sais pas, pour les plus importants, on n'a pas encore. Ah, ouais. Voilà. Bon, quelqu'un qui a fait une pergunta? Quelqu'un veut poser une question? Sinon, j'ai une autre. Non, parce que j'étais en train de penser... J'ai vu plusieurs fois ici, pendant la journée, une histoire une question de dénomination. C'est qu'on appelle poésie visuelle, poésie concrète, poésie spatiale. Martial même a discuté un peu la question de la poésie spatiale et poésie concrète par Garnier. Et je me suis demandé maintenant, mais en japonais, il y a un terme, une proposition, un genre, et comment ça, c'est lequel? Il y a deux mots. Le premier, c'est un mot japonais, shikakushi. Donc, shikaku, c'est la vue, le sens de la vue, un des cinq sens. Donc, shikaku, c'est la vue, et le deuxième, shi, c'est la poésie. Donc, shikakushi, c'est la poésie visuelle, la poésie qui utilise le sens de la vue. Et le deuxième mot, c'est visual poetry, c'est-à-dire l'anglais, le mot anglais visual poetry, qui est prononcé à la japonaise. Ah, voilà. Visual poetry. Visual poetry. Super, ouais, c'est vraiment ça, c'est un aperçu qu'on commence à avoir avec l'intermédia aussi de Dick Higgins et toutes les dénominations. On a eu des discussions qui est pour ça, pour l'instant. Peut-être on peut adopter les Japonais, on peut proposer ça quand même, parce poésie pour la vision, pour les, on oui, c'est ça. Sens. C'est ça, poésie pour la vision, c'est ça, tout à fait ça. Très bien. Comme terme, surtout un peu plus plat, je ne sais pas. On peut... ouais. Bon, les amis, quelqu'un, merci Norberto, obrigada Norberto. Il dit que je suis une médiatrice très chouette.
Moi, c'est pas une question, mais c'est juste un commentaire après avoir écouté l'exposé de Martial Angelet. C'est que lorsque vous parlez tout à l'heure du retour aux langues nationales, je me souvenais d'une phrase de Ilse Garnier qui parlait du mot corps à propos de blason du corps féminin, où elle expliquait qu'elle n'aurait pas pu utiliser un autre mot que le mot corps. Elle a choisi le français parce que le français a le mot O, le mot corps contient la lettre O et que la lettre O elle-même est ronde et qu'elle n'aurait pas pu utiliser ni l'anglais ni l'allemand. Enfin, pour elle, c'était vraiment seul le français qui pouvait être utilisé dans le blason du corps féminin. Donc, c'est simplement l'écho. C'est en écoutant ce que disait Martial que je me suis souvenue de cette phrase d'Isla. Vas-y, Marcel. Tu vas dire quelque chose, Marcel ? Non, je dis simplement que, comment dire, Marianne, effectivement, a eu raison de faire référence au blason du corps féminin, parce que ça a été effectivement à ce moment-là où, pour ma part, j'ai eu des échanges très précis sur la question, notamment de la langue. Alors, la lettre, disons, est un peu longue, je ne l'ai pas lue entièrement, mais on voit que les langues sont réellement au service. Voilà, ouais, très beau. C'est une réédition, effectivement, du corps féminin, où les langues sont au service, en quelque sorte, de l'alphabet idéal, en quelque sorte. C'est ça qui est remarquable. Et Marianne a eu raison, notamment, de souligner cet écho. Merci, Marianne. En tout cas... Vas-y. J'ai terminé. Je remercie Marianne pour cet écho. Effectivement, c'était très important. Et j'ai vu que tu sortais notamment une réédition du blason du corps féminin d'Ise, Juliana. Oui, c'est celle que j'ai ici. Et, donc, comment tu as parlé d'un alphabet trans, j'ai perdu les mots que tu viens de dire. C'est sa recherche. Les langues sont au service, en fait, de l'alphabet recherché par le poète, en quelque sorte. Ça peut être, en tout cas, une interprétation possible. En tout cas, Juliana, merci. Merci, en tout cas, pour ce superbe voyage que tu nous as permis de faire depuis quelques jours. Et merci à Marianne, notamment, parce que j'ai appris beaucoup, notamment sur la poésie japonaise. Et j'espère, Marianne, que ton ouvrage donnera davantage à voir, notamment de poèmes visuels japonais. Je pense que c'est vraiment très, très, très attendu. Je tiens à te remercier aussi pour les travaux sur les poètes et le cinéma. C'est un ouvrage très, très intéressant. Également, les talks que tu as fait sur le Japon, c'est vraiment très bien. Tu fais avancer les études sur Garnier à grands pas, et je tiens à te remercier. Merci beaucoup, Martial. J'y vais tout doucement, mais ça me passionne, en effet. Oui. Et la question du cinétisme aussi, c'est quelque chose que j'ai presque... Oui, alors... Mais en travaillant sur le cinéma, j'ai vraiment bien compris l'importance, non seulement de la notion de cinétisme, mais aussi du contexte historique. Pour comprendre le cinéma de Pierre et Ilse Garnier s'inscrit vraiment dans l'idée d'une poésie en mouvement, et c'est une continuité entre l'idée de cinétisme dans leur poésie et leurs expériences dans le domaine cinématographique. Ça m'a beaucoup frappée en travaillant. C'est à ce moment-là que je m'en suis vraiment rendu compte. Voilà. Alors, il y a néanmoins... Oui, il y a néanmoins, effectivement, donc, quand on se verra au Japon, à Amiens ou ailleurs, effectivement, tout le débat, notamment de la question de l'écart. En fait, on s'est croisés. Heureusement qu'il y a le Brésil pour qu'on puisse se parler, parce que je t'ai raté deux fois, en fait. Une fois chez Violette Garnier, j'étais passé, ça remonte à plusieurs années, et tu étais reparti, je crois, sur Paris. Et une autre fois, à la bibliothèque municipale d'Amiens, où j'avais un travail à faire sur Ise et Pierre Garnier, on me dit, mais il y a une dame qui vient de partir et qui travaillait sur Ise et Pierre Garnier. J'ai su que c'était toi, après. Vive le Brésil, vive le Brésil. Avec le Brésil, pour s'en trouver. Merci, Juliana. Super, super.
peut se donner rendez-vous pour la prochaine journée, dans 2 heures, tout le monde au Japon. Ah, mais c'est très bien, oui, je vois. D'accord. Je pense que tout le monde est partant, il faut juste trouver les moyens. Mais voilà. C'est un détail. Bon, alors, si quelqu'un n'a pas de questions du public, je vous remercie encore une fois, Marianne, Martial et Francis Deloin, qui sont pour cette très, très riche conférence. Et j'espère qu'on continue les conversations aussi à propos de tous ces sujets et tout ce qui sa journée apporte comme réflexion pour l'avenir théorique et pratique de la poésie. Alors, les conférences ont été enregistrées, alors c'est disponible en ligne aussi, si ça je dis au public aussi, en portugais. Quero lembrar a todos e todas que as conferências estão disponíveis no YouTube e acessíveis pelo site da jornada. Então, todos aqueles nomes dos poetas japoneses que a gente não conseguiu anotar, dá para ir lá buscar e ir atrás das obras, assim como um panorama da obra do Pierre Garnier e dos alfabetos e tipógrafos do Francis. Ali sou eu que apresento, mas tudo bem. Então, muito obrigada a todos e todas. Não esqueçam, hoje às 19, a Marianne vai dormir e volta conosco para mostrar essa revista, que acho que para todo mundo que estuda, seja poesia, seja artes visuais, escrita, é uma enorme contribuição. Então, vamos encerrar essa mesa agora. E boa tarde a todos. Às 13h30, voltamos com as sessões de comunicação paralelas nos links que estão disponíveis no nosso site e nas redes sociais. Boa tarde. Merci encore. Bonne soirée déjà. Non, bonne nuit, Marianne. Bonne nuit. Bonsoir, Martial. Bonjour à tout le monde. Bonne journée à tout le monde. À bientôt.